je me suis préparée vite fait. On va aller à la crêperie à pied. Parce qu'on a une crêperie dans notre quartier qui est super bonne. Et je crois que mon copain a jamais été dans cette crêperie. Du coup, je vais lui faire découvrir. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. J'ai mis trop de parfum. Mais du coup, là, nous sommes le... On est le combien? On est le 12, le 13. Nous sommes le week-end et je suis tellement contente d'être en week-end et d'être tranquille ce week-end à la maison parce qu'en fait ça fait, je crois que ça fait deux week-ends d'affilée, ouais c'est ça, ça fait deux week-ends d'affilée qu'on voit du monde, qu'on sort et tout. Et là je vous cache pas que vu que ma batterie sociale est hyper faible, là j'ai plus de batterie et j'avais besoin d'un week-end comme ça, juste tranquille à la maison, faire des trucs, ralentir un peu le rythme et tout. Parce que j'arrive pas, enfin j'aurais pas pu en fait, genre voir encore du monde ce week-end, j'aurais pas pu. Donc là je suis super contente d'être tranquille. Et puis voilà, donc le programme ça va être, je sais pas trop, en vrai pour être honnête avec vous, début de semaine, je pense que c'est peut-être lié aussi à d'avoir vu quand même pas mal de monde et d'avoir une énergie très faible. Mais du coup, début de semaine, je me sentais pas au top en fait, mentalement j'étais... J'avais beaucoup de pensées, j'étais vachement stressée, anxieuse, mais pour rien. Et en fait, quand t'es dans ce genre de situation, j'essaye de relativiser des fois et de me dire, en fait, tu peux rien faire. Enfin, là, ça sert à rien de forcer sur ton énergie, tu peux rien faire, repose-toi. Mais en fait, quand tu vis le truc à l'instant T, t'as du mal à te dire, bah oui, je vais ralentir. Et du coup, je me suis dit, vraiment, ce week-end, je vais ralentir, je vais prendre du temps, je vais faire les choses tranquillement et tout. Donc voilà, on y est. Donc je pensais vlogger ce petit vlog tranquille. De toute façon, le programme, ça va être vraiment rester à la maison. Je vais peut-être repoter des plantes d'intérieur, parce que j'essaye d'avoir de plus en plus la main verte et de pas faire mourir des plantes que j'ai chez moi. Et du coup, ça fait plusieurs semaines que j'ai ça sur ma liste. En fait, j'ai une liste de trucs à faire en général. Et là, en fait, je le repose tout le temps. Donc je pense que je vais aller acheter tout ce qui est terreau, des billes d'argile, tout ça, pour rempoter mes plantes et les mettre dans des plus gros pots. Donc je vais faire ça, et puis voilà, je pense que je vais lire, faire du journaling, mes étirements, mon sport, aller dehors, parce qu'en fait c'est vraiment les choses qui me font du bien. C'est vrai que comme je vous l'ai dit en début de semaine, vu que j'étais pas mal anxieuse, tout ça, du coup le journaling m'a énormément aidée. Moi j'aime bien faire du journaling, surtout le soir, des fois le matin, mais en général j'aime bien faire ça en fin de journée quand je suis posée dans mon lit. Donc ça, ça m'a vachement aidée, et j'ai écouté aussi un podcast. Je sais pas si vous le connaissez, c'est le podcast de Chloé Bloom et il est génial. Et en fait c'est trop marrant, mais en fait je crois que c'est sur ces deux derniers épisodes, en gros elle parlait de sujets où je me reconnaissais à 100%. En fait quand je voyais le titre du podcast et quand j'entendais l'introduction du podcast, je disais mais c'est en fait c'est la situation que je suis en train de vivre actuellement. Donc trop bizarre la connexion, enfin c'est trop, je sais pas, c'est un hasard de fou. Parce qu'en fait, les podcasts, et les deux derniers podcasts qu'elle a fait, c'était des podcasts dont j'avais besoin et dans lesquels en fait j'étais dans la situation, dans la problématique qu'elle décrivait dans son podcast. Donc trop bizarre. Enfin bref, du coup j'ai écouté les podcasts de Chloé Bloom, ça m'a fait du bien. Marcher dehors aussi, et du coup bah, le journaling, les affirmations, vraiment retourner un peu dans ma bulle, ça m'a fait du bien. Parce que c'est vrai qu'en fait, bah, du coup le week-end dernier, le week-end d'avant, comme je vous l'ai dit, j'étais en interaction sociale avec les gens. Et du coup je pense pas forcément à moi, j'essaye d'être présente dans le moment, mais vu que j'ai je pense une énergie très faible et que j'ai pas trop l'habitude d'être toujours avec du monde, bah quand je suis avec du monde, je m'épuise super vite. Et par exemple bah, quand on est rentré du week-end la semaine dernière, j'étais mais épuisée en fait, mais pas forcément physiquement, mais énergétiquement, j'étais épuisée, mes batteries elles étaient à plat, donc là ça fait du bien. Du coup, let's go, je sais pas quoi faire de mes cheveux, je vais peut-être les attacher, je sais pas. Bon, on va manger des crêpes. Ouais. Fallait pour que je puisse repoter, rempoter, je sais pas c'est quoi le terme, c'est rempoter ou rempoter, je sais pas. Et du coup j'ai acheté de quoi repoter ces plantes là, donc j'ai celle-ci. En fait c'était des boussures qu'on m'avait données et bah, elles ont grave poussé, regardez, elles tiennent même plus dedans. Celle-ci que j'aimerais bien avoir en plus gros,
et celle-ci qui part mais complètement. En fait j'ai jamais changé de terreau depuis que je l'ai, donc j'aimerais bien la mettre en fait dans ce pot là, enfin tout transvasé dans ce pot là. Et pour les plus petites du coup j'ai pris des pots un petit peu plus larges comme ça en terre cuite. Je trouve que ça, je sais pas, je m'y connais pas du tout en jardinage, donc les gens qui s'y connaissent vous me direz en commentaire. Mais du coup en fait j'ai pris des pots en terre cuite pour l'intérieur. Je trouve qu'en fait ça donne un côté un peu plus je sais pas, neutre, et j'aime bien, j'adore. Donc je vais tout faire, je vais tout transvaser dedans. J'ai pris des billes, des billes d'argile pour maintenir l'hydratation. Je crois que c'est pour ça. Je suis vraiment pas une jardineuse. Mais bref. Et du terreau pour les plantes d'intérieur. Bon, je sais pas si c'est bien. Faites pas attention, j'en ai foutu partout. J'ai même pas mis de protection, mais bref. En vrai, je m'attendais quand même à pire. Hein. Je pensais que j'allais pas du tout réussir. Au final, bon, en fait, là, je me rends compte avec la caméra qu'il est pas du tout centré, le tronc. Mais il est droit, au moins. Parce que dans l'autre pot, il était pas du tout droit. Donc, voilà. J'espère que ça va leur faire du bien à mes petites plantes. Bon, on est sur une fin de journée. Il fait encore jour. Il est vraiment pas tard. Il est 19h11. Mais je trouve que ça fait trop du bien les samedis soirs comme ça, j'adore des fois ne rien faire le samedi soir. Donc là je vais lire un petit peu, enfin non, je vais faire mon journaling avant et ensuite je vais lire, et comme ça après on va profiter de la soirée avec mon copain, on va manger etc. Et je voulais vous parler de ça parce que je vous ai parlé du journaling ce matin. Donc j'utilise un journal classique. C'est vrai qu'à une période j'utilisais pas mal le 5 minutes journal, je vous l'avais déjà montré, enfin vous avez déjà dû le voir sur ma chaîne si vous êtes là depuis un petit moment. Et du coup là maintenant je suis repassée sur un journal classique, et ce que j'aime bien faire, donc je fais mon journaling le soir, donc là il est assez tôt, mais en général je le fais vraiment juste avant de m'endormir le soir. Et ces derniers temps j'aimais bien faire différents types de journaling. Donc par exemple quand je me sentais pas très bien cette semaine, en début de semaine, ce que j'aimais bien faire, c'est que j'écrivais vraiment toutes mes pensées. Genre en fait je me restreignais pas, je me disais pas ouais vas-y je vais faire un type de journaling, tout ça. Non, j'écrivais vraiment tout ce que je pensais, tout ce que j'avais sur le cœur, tout ce que j'avais envie, toutes mes pensées qui me parasitaient toute la journée. Je les écrivais et ça me faisait trop du bien, j'ai l'impression que je vidais tout en faisant ça. Ensuite, ce que j'aime bien faire en temps normal, pas forcément quand je suis submergée tout ça, mais tous les soirs en général j'aime bien faire ça, c'est écrire, enfin en fait me remémorer toute ma journée du matin au soir, et en fait noter toutes les choses pour lesquelles je suis reconnaissante dans ma journée. Et en fait c'est vrai qu'avant avec le 5 minute journal t'écrivais 3 choses le matin et 3 choses le soir, et là maintenant je fais que le soir quasiment. Je me remémore toute ma journée de A à Z, et en fait je me rends compte qu'il y a plein de choses pour lesquelles je suis reconnaissante que je ne me rendais pas forcément compte avant. Et j'adore cette technique, et c'est une technique que j'avais découverte dans le livre Manifeste de Roxy Nafouzi. J'adore ce livre, vraiment j'adore, elle a 2 livres sur la manifestation. Et du coup dans son livre elle parlait de cette technique, et j'ai commencé à la faire un peu par hasard, et en fait j'adore. Et quand je me remémore toute ma journée comme ça, ça me permet de me faire un petit point déjà sur ma journée, sur ce qui s'est passé, et d'en retirer vraiment tous les bénéfices. Donc j'adore ce type de journaling. Et aussi il y a quelque chose que je fais après avoir noté toutes les choses pour lesquelles je suis reconnaissante, c'est de en fait me préparer une petite to-do list pour le lendemain, voir en fait ce que j'ai à faire en général. Ça je le faisais souvent à une période, mais là j'ai arrêté un peu de le faire. Donc là en fait depuis une semaine, vu que j'avais besoin je pense d'être un petit peu plus rassurée, d'avoir un cadre, d'avoir une routine un petit peu plus rassurante pour moi, bah du coup tous les soirs ce que j'aimais bien faire c'est de me dire ok, qu'est-ce que j'ai à faire demain dans ma journée. Ça peut être des trucs tout bêtes, de ma séance de sport à des choses à faire un petit peu plus qui me demandent un petit peu plus de temps. Vraiment je note tout dans ma journée. Et ce soir j'ai envie d'aller un petit peu plus loin parce que j'ai un peu plus de temps, je suis posée, on a un week-end et tout. J'ai envie de faire une session de journaling avec mon application Superhuman. Je vous en avais déjà parlé, c'est pas du tout sponsorisé. C'est vraiment, je le répète, je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais c'est vraiment le meilleur investissement que j'ai pu faire cette année. C'est une application de méditation, d'affirmation,
Mais en fait, c'est pas du tout une application de méditation classique, c'est des méditations que vous pouvez faire à tout moment dans votre journée. Vous avez des séances de méditation à faire en marchant, vous avez des séances de méditation à faire pendant que vous faites du ménage. Enfin, j'adore, en fait, c'est vraiment de la méditation, une application de méditation 2.0. Vraiment, elle est incroyable. Et en fait, dans l'application, elle propose aussi des séances de journaling guidées. Donc, vous avez des séances qui durent de 5 à 1 heure et j'adore. Donc, là, je pense que je vais me faire une petite séance de journaling. Je pense que je vais faire celle-ci, la première. Daily Evening Reflection. Je vais faire celle-ci, elle dure 12 minutes. Et je vais faire aussi. Ouais, je pense que je vais faire ça. Et ensuite, je vais lire un petit peu. Je voulais vous parler de deux livres que j'ai commencé, donc avec ma Kindle. Pareil, un des meilleurs. Enfin, c'est un cadeau que j'ai eu en fin d'année. Je l'adore, vraiment. Et du coup, là, j'ai commencé avant-hier le livre de Yvon Chouinard. C'est le fondateur de la marque Patagonia. Et voilà, je l'ai commencé, donc j'ai pas trop de retour dessus. Et j'ai commencé aussi en même temps celui-ci, le livre de Braina West. C'est ça? Ouais, c'est ça. Braina West.